Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 6 juin 2021, direction l'hippodrome de Chantilly pour le Qatar Prix du Jockey Club, cinquième course de la Réunion 1 où 19 galopeurs âgés de 3 ans de très grande qualité en découdront aux alentours de 16h. L'un des plus beaux de Quintet Plus de l'année s'offre à nous en cette réunion dominicale. Les meilleurs poulains de 3 ans seront en piste pour un périple de 2100 mètres. Le terrain est annoncé souple et il ne fait aucun doute que la piste quintilienne sera tout simplement parfaite. Reste maintenant à se dépatouiller de ce lot extrêmement touffu avant coup. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 15, Mégalon. Ce pensionnaire de John Gosden, représentant de la casaque de la famille Oppenheimer, débarque en France avec de très hautes ambitions. Confirmé en Angleterre, il débarque ici avec l'aide d'Olivier Pellier dans l'espoir de s'imposer. En deuxième choix, le numéro 8, Saint-Marc's Basilica. L'autre jour, dans la poule d'essai des poulains, il effectuait sa rentrée. Entraîné par Aiden O'Brien, il a magnifiquement gagné et va aujourd'hui tenter de doubler la mise, ce qui le ferait entrer dans l'histoire des courses. En troisième choix, retrouvons le numéro 19, Cheshire Academy. En toute honnêteté, s'il n'avait pas tiré le numéro 19 dans les stalles de départ, il aurait certainement été notre favori et celui du public. Invaincu en 3 tentatives et ayant d'énormes qualités, il va falloir du grand Christian de Muro pour se sortir de ce mauvais pas en partant. En quatrième position viendra le numéro 3, Macaloon. Estimé par Jean-Claude Rouget, il n'est lui aussi pas très bien placé dans les stalles de départ avec le 18 quasiment en dehors. À Christophe Soumillon, son jockey belge très grand talent de faire la différence. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 9, Baby Rider. Pascal Barry l'aime énormément, Théo Bachelot est un jockey en grande forme et comme il reste sur 2 victoires cette année, il faut logiquement l'envisager pour les premières places. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 2, Derab. Deuxième atout de la maison Gosden montée par Monsieur Harley, ce fils de 6 stars, très perfectible et encore tout neuf, peut réaliser l'une des grandes performances de sa carrière. En avant-dernier choix, le numéro 4, Saïd Abad. Autre atout de l'écurie de Jean-Claude Rouget, il est lui aussi invaincu en 3 tentatives. Avec l'aide de Jean-Bernard Ekem, aujourd'hui, il peut monter sur le podium et viser au moins l'une des 5 premières places. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 12, Siliway. Frédéric Rossi aime beaucoup ce représentant du haras de la gousserie. Franck Blondel étant très appliqué à ses commandes, il faut logiquement le retenir en très haut rang. En cas de non partant, le numéro 17, Van Gogh, qui dépend lui aussi du redoutable entraînement d'Aidan Patrick O'Brien, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 € sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi après-midi, Top Prono et Turf Sélection indiquent le tiercé Quarté Quinté Plus dans le désordre, le dernier affichant tout de même une jolie somme de 181 €. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronos, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.